particulière. Moteur à induction à rotor bobiné. Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente. Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissant à des bagues collectrices sur l'arbre. On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé. Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple vitesse du moteur, figure 4 à 5 et figure 4 à 6. Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées. La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil. Figure 4 à 5, moteur à induction à rotor bobiné. On peut faire varier la gamme de vitesse d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor. Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement. Figure 4 à 6, graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe. Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor, alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor. Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor. D. Moteur à induction monophasée. Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant. Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire. Pour produire un champ tournant, et par conséquent, un couple de démarrage, on place un enroulement de démarrage auxiliaire à angle droit de l'enroulement principal du stator de telle sorte que les courants qui les parcourent soient déphasés de 90 degrés, un quart de période. Le champ magnétique est alors décalé de 90 degrés par rapport à l'alignement du champ initial et le rotor tend à s'aligner avec les pôles magnétiques, créant ainsi un couple de démarrage. L'emplacement physique de l'enroulement de démarrage et sa polarité par rapport à l'enroulement principal font que le moteur tourne en permanence dans le même sens après avoir été démarré. Une fois le moteur en marche, l'enroulement auxiliaire est souvent débranché du circuit à l'aide d'un interrupteur centrifuge. Un enroulement de démarrage défectueux va se traduire par un faible bourdonnement du moteur que l'on pourra démarrer dans un sens ou dans l'autre en lui imprimant à la main et avec précaution une légère rotation. On utilise les moteurs à induction monophasée là où l'on ne dispose pas d'un réseau électrique triphasé et, en général, dans la gamme de puissance allant de moins d'un HP à 10 HP. Des moteurs monophasés de plus de 10 HP existent et on les utilise avec des dispositifs électroniques de puissance pour limiter les courants de démarrage qui seraient sans cela très élevés. Tableau 4 à 2, moteur à induction monophasée C. A, REF. 23 types de moteurs couple de démarrage rendement domaine d'emploi bague de déphasage peu élevé ventilateur à entraînement direct à enroulement auxiliaire 2. Démarrage peu élevé moyen ventilateur à entraînement direct, pompe centrifuge, comme presseur d'air et de réfrigération moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur d'air et de réfrigération, gros électroménager à démarrage par condensateur moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur, pompe centrifuge, appareil industriel, agricole, gros électroménager, électroménager commerciaux, équipement de bureau élevé moyen pompe volumétrique, compresseur d'air et de réfrigération à condensateur. De démarrage. Et de marche moyenne élevé ventilateur à courroie pompe centrifuge CLV élevé pompe volumétrique, compresseur d'air et de réfrigération, appareils industriels, agricoles, gros électroménagers, électroménagers commerciaux, équipement de bureau à condensateur permanent peu élevé élevé ventilateur à entraînement direct, compresseur de réfrigération, équipement de bureau. E.
Moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage. Les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage utilisent un enroulement de démarrage dont le rapport résistance-réactance diffère de celui de l'enroulement principal afin de produire le déphasage nécessaire au démarrage du moteur, figure 4 à 7. Figure 4 à 7, moteur à enroulement auxiliaire de démarrage. Le déphasage n'atteint pas les 90 degrés souhaités et les champs magnétiques ne sont pas égaux. Il en résulte un couple de démarrage plus faible que dans le cas des autres moteurs. Le couple de démarrage d'un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage est moins suffisant dans de nombreux cas tels que les ventilateurs de comptoir frigorifique et certains outils électriques par exemple. Perceuse à colonne. Ces moteurs sont bon marché à produire, ce qui explique qu'ils soient en vogue pour les produits de fabricants d'origine. Leur puissance assignée s'élève jusqu'à environ 1,5 HP. Moteur à condensateur. De nombreux moteurs monophasés incluent un condensateur en série avec un des enroulements du stator afin d'optimiser le déphasage du champ au démarrage. Les courants capacitifs déphasent la tension en avant de 90 degrés. En ajoutant des condensateurs, on obtient un déphasage du courant dans un enroulement par rapport à l'autre. Il en résulte un couple de démarrage plus élevé que ne peut en produire un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage. On utilise les moteurs à